Chers amis de la résistance iranienne dans le monde, mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année à l'approche de Noël et de Nouvel An. 2014 a connu euh, le développement de l'intégrisme, un phénomène qui détruit le Moyen-Orient, mais qui touche aussi les sociétés occidentales. Aussi, J'espère que 2015 verra la fin de cette catastrophe avec la victoire de la paix, du bonheur et de la solidarité dans le monde et la victoire de la liberté et la démocratie en Iran et au Moyen-Orient. Je souhaite également que les réfugiés d'Irak, de Syrie et de Palestine, particulièrement les enfants et les femmes, soient à l'abri des massacres et du froid, de l'hiver et surtout les chrétiens d'Irak et de la région qui sont harcelés pour leurs convictions par les extrémistes islamistes. Noël, avec la naissance de Jésus, apporte un message d'espoir dans les jours les plus sombres. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Euh, dit l'Évangile. Euh, L'espoir de la fin des chaînes et de l'oppression, Noël, c'est aussi le fruit de la persévérance de la Vierge Marie qui a tenu bon, malgré tous les obstacles, pour donner la vie à son fils. Euh, cette année, en Iran, les Mollahs ont réprimé sauvagement la population avec des euh, centaines d'exécutions une répression cruelle des femmes et une crise économique qui cause une grande misère sociale. Mais la dictature religieuse a surtout visé les minorités ethniques et religieuses. De nombreux chrétiens sont persécutés, arrêtés, torturés, condamnés à mort. Les fidèles des autres religions, n'ont aucune liberté de culte ni aucun droit et remplissent les prisons. Ces crimes sont contraires à la culture iranienne et surtout contraires à l'islam. Chers amis, dans l'Iran démocratique et non nucléaire de demain, fondé sur la séparation de la religion et de l'État, tous les Iraniens de toutes les religions ou croyances, pourront vivre ensemble dans le respect et la liberté, dans la paix et la tolérance euh, sans aucune discrimination. L'entité de l'intégrisme se trouve aujourd'hui au camp Liberty en Irak. Les habitants de Liberty sont donc source d'inspiration pour le peuple iranien et euh, les peuples de la région. C'est pourquoi les Mollahs ont imposé un blocus inhumain, surtout médical, à ses habitants. En 2015, plus que jamais, nous devons nous mobiliser et renforcer notre solidarité pour nous débarrasser de l'extrémisme islamiste en commençant par libérer l'Iran du régime de Mola, qui est le corps de l'intégrisme. Ainsi, la paix et la démocratie viendront. Euh, fleurir euh, toute la région. Je suis sûre que euh, tous ensemble, euh, nous pourrons réaliser ces objectifs. Encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année.